La seigneurie. La seigneurie est un territoire sous l'autorité d'un seigneur. Les seigneuries sont peuplées de paysans qui obéissent au seigneur. Une seigneurie comprend deux parties. La réserve, terre que le seigneur garde pour lui et qu'il fait cultiver par les paysans, et les tenures, terre que le seigneur loue aux paysans en échange d'impôts et de corvées, travail gratuit et obligatoire effectué par les paysans pour le seigneur. Pouvoir des seigneurs. Les seigneurs sont des personnages puissants du royaume. Ils disposent de nombreux pouvoirs. Ils commandent, protègent, etc. Chaque seigneur dirige une seigneurie. Il tire ses revenus des produits cultivés par les paysans. Le seigneur lève les impôts et possède les terres, juge et punit, décide des guerres contre les autres seigneurs pour avoir le plus grand pouvoir et commande la population. Le seigneur est au service du roi. Ils vivent dans des châteaux et ils dirigent un territoire qui comprend un ou plusieurs villages. Le village se construit au pied du château pour qu'ils puissent protéger les paysans en échange de redevances. En cas d'attaque, ils peuvent se réfugier à l'abri de la basse-cour, alors que les chevaliers, eux, vont se réfugier à la haute-cour. Les paysans et les chevaliers ne sont donc pas mélangés. Les pouvoirs des seigneurs baissent au profit du roi, car il a peur que tous les seigneurs se révoltent contre lui, donc leur enlève du pouvoir.